Je m'appelle Johan Nicles, j'ai 18 ans. Je joue au tennis depuis que j'ai 6 ans environ. Actuellement, j'habite à Bienne, vers Vorben, où mon oncle habite. Je m'entraîne à Swiss Tennis. J'étudie l'anglais, je fais le first. J'espère que l'année prochaine, je passerai l'examen et qu'ensuite, je pourrai me consacrer complètement au tennis. Vers 6-7 ans, je voulais absolument faire deux sports, principalement le foot. Ma sœur qui a 2 ans de moins que moi, elle voulait faire du tennis et moi je l'ai simplement suivi. Et puis voilà, tout a commencé comme ça. Le tennis, bah, c'est un sport individuel. Ça requiert vraiment toutes les physionomies du sport, mental, tactique, technique, physique. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Si j'arrive à me qualifier à Tokyo, j'aurai 23 ans. Si je ne me qualifie pas, j'espère ceux d'après, j'aurai 27 ans, je pense que c'est jouable si je continue dans cette voie-là, si je continue de progresser, c'est un objectif, c'est clair. Parce qu'après Federer, Wawrinka, je pense qu'il n'y a pas grand monde, du coup il faut essayer de prendre sa chance. Un rêve, bah déjà c'est les Jeux Olympiques, essayer de représenter la Suisse, la Coupe Davis aussi, c'est aussi une chance pour nous, tennisman, de représenter la Suisse. Mais aussi, un de mes plus grands rêves, c'est de participer à un tournoi du Grand Chelem chez les adultes. J'espère un jour le réaliser et essayer de pouvoir donner le meilleur de moi si ce rêve se réalise. Team Genève, ce que ça représente pour moi, bah, c'est simplement les meilleurs sportifs de Genève. Faire partie de cette équipe, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment une chose incroyable. Ça nous permet aussi, je pense, à nous, aux sportifs, de se donner encore plus lors des compétitions et des entraînements pour justement aussi représenter au mieux Genève et qu'on se pousse tous vers le haut. Alors Genève, ce que ça représente pour moi, c'est simplement déjà une des plus belles villes de Suisse. Je pense aussi que ce mélange de nature, de ville, avec le lac aussi à côté, ça fait une super harmonie, c'est vraiment une ville plaisante à vivre. Et aussi cette ville qui nous soutient autant justement, parce que pas toutes les villes ici en Suisse soutiennent autant leurs sportifs.